mais sûr de vous, je ne Poitiers. Restez calme. Alors, nous ça va parce qu'on est payé pour, mais pas les musiciens, d'accord? On n'est pas payé pour, mais on peut balancer quand même, hein? Ah oui! Et la petite brute là-bas dans le fond, là! Parce qu'on a plus de munitions que vous! On est plus armé que vous! Et c'est parti! Pas sur les fanfares, s'il vous plaît. Non, visez-nous, pas les fanfares. Pas sur les fanfares. On est là pour ça. Visez-nous, nous. Là. Voilà. Pas sur les fanfares, bordel. Bon, visez-les, c'est leur idée. Christophe, c'est leur idée. Thank you.
Mais si, il a pas de bac. Vous envisagez de lui faire faire une étude d'architecture. Premièrement, apprenez-lui à boire. Deuxièmement, lavez-lui la bite. Franchement, le spectacle est terrible. Troisièmement, envoyez-le chez Éric Vouillon, vent et achat d'instruments de musique, qui vous accueille à l'entrée de la cour. Éric Vouillon! Thank you.
Eh bien, mesdames et messieurs, attention, je vais assister au très très grand moment de fanfare, puisque cette fanfare a remporté déjà. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Ça pue. Ça pue le poisson. Mais on aime ça. 10, 9, 8, 7, 6, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 0. Thank you.
les cadors de Montpellier. Moment magique. Jamais fait ça, nous, à concours. Justement, on aurait justement pas fait ça. Bon, t'es qui, toi, d'abord? C'est le se retirer pendant, allez, on va dire, une petite demi-heure. Nous rappelons que la fanfare des Beaux-Arts est un modèle déposé.
agréé par la Grande Masse des Beaux-Arts. Et que le concours national des fanfares des Beaux-Arts permet de désigner la meilleure fanfare de France au monde. Mon modeste avis, on écoute tous les avis. Mon modeste avis, je trouve que les flingueurs ont été au-dessus de la mêlée. Ah ouais. Parce qu'ils avaient quelque chose. Le Titanic. Alors ceci dit, il y en avait d'autres de bien. D'autres de très bien. Les cosmonautes, les cadors. Les cadors étaient magnifiques, il faut quand même le dire. Et je trouve que le plus beau four, c'est les talcuotes, cette idée magnifique, et puis une mouette qui se casse la gueule tous les mètres. C'est magnifique. T'as pas aimé les goûts de ma frite, Les tomates, c'est goûts de ma frite. C'est goûts de ma frite. C'est les goûts de ma frite. Il y avait un pigeon qu'ils ont. Ah oui. Et puis le pigeon, il faisait 2 mètres. Ça, c'est. Le pigeon, c'était un fou de bassin. Bon. En tout cas, ça c'est un four. C'est lesquels qui ont terminé leur spectacle par les jets de trucs argentés par tout là. C'est les goûts de ma frite. Les goûts de ma frite. Ouais. Ça, j'ai trouvé que c'était le plus beau spectacle. Très bien, très bien. Pour moi, c'est le premier prix. C'est le plus beau spectacle avec un grand respect pour les cadors à la fin qui ont fait quelque chose de très beau. Mais j'ai adoré aussi l'image de ce groupe qui a commencé sur une volée de tomates. Ah oui, moi aussi. Ah, c'est misérable. Oui, c'était à 2 balles, mais c'était. Je suis d'accord. C'est les nymphonies. Ça m'a bien plu. Non, mais j'ai trouvé qu'il y avait une image là-dedans. Et courageux. C'était quelque chose qu'un musicien a toujours envie de voir. D'autant plus que c'est eux qui l'ont créé. Voilà, donc c'est eux qui ont distribué les tomates. Super bizarre. Voilà, merci. Le plus beau four de l'après-midi est donné aux flingueurs. On ne se trompe pas, comme je le rappelais il y a quelques heures, le prix du four est un prix merveilleux. Honorons le prix du four. Maximum d'efforts, minimum de résultats. Maintenant, le grand prix du jury, après une longue délibération, on s'est un peu battu, a été décerné au groupe à la fanfare Goûte ma frite.